Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle, je suis à la caserne du Mans avec Monsieur Saugé. Bonjour Monsieur Saugé. Bonjour Thomas. Et donc, vous allez nous présenter un véhicule, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et puis, nous parler un petit peu des effectifs qu'il y a sur le Mans. Écoutez, bienvenue à vous. Merci. Ravi de vous accueillir au sein du centre de secours principal du Mans de Grès. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le bras élévateur aérien qui fait 34 mètres. Capacité de déploiement. Pour ce qui est du centre de secours principal du Mans de Grès, c'est un effectif de 127 sapeurs-pompiers professionnels, 90 sapeurs-pompiers volontaires. On a des gardes mélangées entre professionnels et volontaires. D'accord. Et ils comptent dans l'effectif de gardes journaliers, puisque sur le centre de secours principal du Mans de Grès, 24 sapeurs-pompiers sont de garde la journée, 20 la nuit. Et parmi ces 24, il y a au minimum 21 professionnels et 3 volontaires sur les rangs la journée. D'accord. Exemple. Et ça représente combien de véhicules pour tout le personnel environ? Alors sur la caserne de degrés, on a environ une quarantaine de véhicules remisés dans 3 travées principales et qui interviennent dans divers domaines, que ce soit l'incendie, le secours à personne, les missions diverses ou les véhicules spécifiques comme le risque chimique notamment. Bah, si on a la possibilité, peut-être qu'on va pouvoir visiter un petit peu cet atelier. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc okay. Ici, on se trouve dans la travée véhicule dit spécifique. On a ici un camion-citerne grande capacité qui contient 12 000 litres d'eau et permet d'alimenter et de pérenniser la ressource en eau sur des incendies industriels, par exemple, ou l'été sur les missions de feux de surface notamment. Ensuite, situé à côté, vous avez le véhicule d'intervention pour les risques chimiques. Ce véhicule sera déclenché lorsque une intervention de ce type le nécessite, avec des sapeurs-pompiers formés à la gestion de ce risque chimique en milieu, par exemple, contaminé ou en milieu pollué. D'accord. Et pour ce faire, vous avez également une cellule de lutte contre les pollutions qui se situe ici et qui viendra en appui des moyens qui sont présentés précédemment pour justement faire barrage à par exemple une pollution aquatique. Donc là en fait, si j'ai bien compris, c'est un conteneur en fait que vous descendez. Ça c'est une berce effectivement que l'on descend sur les lieux de l'intervention et qui permet de justement mettre en œuvre des équipements spécifiques comme par exemple des barrages pour retenir les polluants en milieu aquatique. Si je peux vous montrer celui-là. D'accord. Alors ici vous avez le véhicule pour les interventions en milieu aquatique, donc le secours nautique. Alors ce véhicule est équipé de manière spécifique pour le personnel formé aux interventions en milieu aquatique, donc les plongeurs, hein, comme on a l'habitude de les appeler. Donc vous voyez ici un ensemble donc, de bouteilles, hein, notamment pour évoluer sous l'eau, mais des cordages et puis encore des matériels de reconnaissance. Et ça, je pense que l'utilisation elle est relativement rare quand même. Rare non, elle n'est pas régulière dans le sens où il n'y a pas une intervention par jour, mais les plongeurs sont sollicités plusieurs fois dans l'année pour justement porter secours aux personnes en difficulté sur les plans d'eau ou faire des reconnaissances lorsqu'il y a par exemple des intempéries comme on a pu les connaître en 2018 dans la Sarthe. On va aller voir le secours routier. Ouais. Donc là, on est au centre principal du Mans. Oui, tout à fait. Donc c'est le centre de secours principal qui date de 1987. Et comme je vous l'expliquais, vous avez pu voir qu'on avait une travée, donc véhicule spécifique. Et donc ici, vous avez celle des véhicules
secours à personne et véhicule intervention diverse qui sont remisés à cet endroit. D'accord. Et la tour qui est juste au centre là, c'est une tour d'entraînement, c'est ça? Alors oui, c'est une tour d'exercice qui permet aux sapeurs-pompiers de s'entraîner, notamment avec un lot de sauvetage et de protection contre les chutes, avec une progression en façade de manière sécurisée. Ça correspond à combien d'étages à peu près? Environ 10 à 11 étages, 1000 mètres par étage. Et on peut voir sur la nacelle. Donc là, une petite question sur ce type de véhicule, vous êtes amené souvent à le sortir sur le Mans ou c'est... Oui, c'est assez régulier puisqu'il intervient aussi bien sur des incendies, de type incendie d'appartement par exemple. Comme des ouvertures de portes en secours à personne, pour procéder à l'ouverture des appartements par l'extérieur. Donc là, on a pu entendre une sirène à l'instant, là, ça correspond à quoi Alors, c'est lorsqu'un engin part en intervention. D'accord. C'est une sirène qui rappelle justement le départ et l'engin également, permettant au personnel de se rendre au bon endroit et ainsi gagner du temps dans la distribution des secours. D'accord. Donc là, en fait, vous indiquez le type de véhicule à récupérer et le type d'intervention, c'est ça? Tout à fait. Ok. Tout en sachant que c'est assez historique, puisqu'aujourd'hui, tout sapeur-pompier au centre de secours de degré est équipé d'un bip, d'accord, individuel, qui lui permet de voir sur quel engin il est affecté, pour quel départ il est appelé. D'accord. Et on a tendance souvent à imaginer que vous avez une rampe pour descendre des étages. Est-ce que ça existe vraiment ou... Pas ici, d'accord. Pas au Mans. Effectivement, dans d'autres centres de secours, cela existe, mais non, c'est pas passionné. D'accord, c'est plus un petit peu une légende, ça. Ah, c'est pas une légende, hein, parce que ça existe, mais après, effectivement, dans d'anciens centres de secours, cela existe encore, mais c'est plus le cas. D'accord. Là, on se dirige juste à côté de la nacelle, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Où on va pouvoir vous expliquer un petit peu les fonctions. Donc, on peut rappeler la hauteur maximum? Alors, 34 mètres. Hein, celui-ci, c'est un bras élévateur articulé de 34 mètres qui correspond environ à 11 étages. 11 étages, d'accord. Comme on disait avec votre collègue tout à l'heure, donc la première chose à faire quand vous arrivez sur un incendie, donc c'est le sauvetage de personnes. Et ensuite, vous utilisez pour éventuellement faire un raccord pour pouvoir disposer des sources d'eau à tous vos collègues dans tout le bâtiment, c'est ça? Alors, tout à fait. Donc, sur un incendie, la priorité après la reconnaissance, c'est évidemment les sauvetages hein, des personnes qui se trouvent en situation de péril imminent. Et puis, ensuite, une fois cette phase réalisée, donc au moyen du bras élévateur aérien notamment, eh bien effectivement vient la phase justement d'attaque de cet incendie et qui se fait au moyen également du BEA par l'alimentation de ce dernier via justement des raccords qui se situent derrière et qui ensuite permettent à l'eau de monter dans la colonne et d'arriver sur la lance que vous filmez. Donc là on peut voir la manipulation via le joystick. Alors tout à fait, c'est ce que je vous expliquais, hein, le conducteur, le sapeur-pompier sur le pupitre peut commander à distance cette lance, ce qui permet de protéger les sapeurs-pompiers de manière à ne pas les exposer lors d'un fort rayonnement ou d'un dégagement de fumée. Et l'extinction peut se faire via cette lance qui est pilotée à distance.
et qui reste alimenté par un engin pompe. Donc là on peut retrouver, oui on en parlait tout à l'heure, c'est un système météo, c'est ça? C'est un anémomètre, hein, c'est pour avoir des valeurs qui ensuite sont intégrées dans le pupitre pour que justement les conducteurs puissent adapter leurs manœuvres à la météo du jour et notamment avec la force du vent. D'accord. Bon, après tout ce qui est système joystick pour contrôler la lance, c'est ça? Alors la lance, oui, mais principalement pour contrôler les mouvements de la nacelle. Parce que c'est quelque chose d'assez fin et d'assez sensible. Donc seul le personnel de sapeur-pompier dans la nacelle peut justement contrôler les mouvements et ainsi diminuer la sensibilité de la nacelle. Je suppose que pour des systèmes de sécurité, tout le monde est harnaché à l'intérieur, y compris les victimes, non? Alors, tout à fait. C'est pour ça que vous voyez plusieurs ceinturons, comme ceci. Ceci est un ceinturon qui permet le maintien dans la nacelle puisque chaque sapeur-pompier qui y monte est attaché avec un casque également, comme vous avez pu le constater lors de la manipulation. Et les victimes, autant que possible, vous doutez bien dans les situations d'urgence, parfois eh bien, on va chercher les victimes, on les accroche également via le ceinturon pour qu'on puisse ensuite les amener au sol dans de bonnes conditions. D'accord. En tout cas, on peut voir également que tous les supports de maintien au sol, c'est vraiment assez impressionnant. Et on peut préciser que c'est sur n'importe quel type de terrain, quasiment. Oui, alors pas exactement, puisque justement, ça dépendra aussi de la sensibilité des conducteurs et du chef d'agré, hein, l'importance de la reconnaissance par ce dernier lorsqu'il arrive sur intervention. Mais vous avez des tabliers de maintien qui permettent au bras élévateur aérien, par ses stabilisateurs, d'être dans une bonne position pour pouvoir justement mettre en œuvre le bras. D'accord. Ça, c'est l'alimentation du bras en fait. D'accord. C'est une entrée de 110, une entrée de 70, mais on peut mettre l'un ou l'autre. Hein. Oui, là, on a une lance environ à 2000 litres, 2500 litres minute. Alors, d'accord. Donc, faut pousser quand même pas mal. Hein. Et les réservoirs des citernes, ça représente combien de litres à peu près? 3000. 3000 litres? Ouais. D'accord, donc ça dure pas longtemps alors? Ah non. Ah oui? Non, non. Même, vous savez, les petites lances qu'on a sur feu, elles font 500 litres minute. D'accord. Donc, vous calculez, 3000, ça nous fait 6 minutes. D'accord. 6 minutes pour essayer de... De temporiser au mieux, ouais. Voilà, voilà. D'accord. Mais souvent, on a un réseau maillé, on appelle ça un réseau maillé, surtout maintenant, c'est normalisé partout en France. Hein. D'accord. Et donc, on a des poteaux incendies, des bougies incendies. Ah oui, exact. Et on se branche dessus. Hein. D'accord. Donc là, quand une fois qu'on est branché, on a la possibilité, comment ça, de... C'est une réserve illimitée? Bah, c'est pris sur les châteaux d'eau en fait, hein. C'est d'eau potable. Hein. D'accord. Ouais. Ah, donc même un château d'eau, vous avez possibilité de le vider intégralement? On évite de le vider. Hein. Parce d'accord. que si on le vide, les gens n'ont plus d'eau. Ouais. Ah oui, bah oui, exact. Ouais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand on fait des feux de forêt, les premiers engins qui arrivent, ils vont aller au plus rapide pour calmer l'intensité du feu. Ça, c'est primordial. Donc ils vont se prendre sur le château d'eau. Et les commandements comme le capitaine, hein, lui, bah, il est là pour réfléchir, pour dire à tel endroit on va mettre une pompe et on va faire une rotation de deux camions. Après. Oui, d'accord. Donc après, on a tous l'ordre d'aller à tel endroit pour faire le plein d'eau. C'est-à-dire qu'on prend plus sur le réseau d'eau de potable, on de prend ville, sur un étang qui est là, qui a la capacité de nous recevoir. Alors là donc on se retrouve avec un collègue à vous qui est entièrement équipé, c'est ça? Oui, tout à fait, donc c'est l'équipement de protection individuelle, la tenue qui est revêtue pour tout incendie ou opération diverse. Ouais. D'accord, donc l'équipement de base il est prévu pour résister jusqu'à quelle température à peu près? Alors ça dépendra justement de l'équipement et de l'incendie, donc on est aux environs des 800 à 1000 degrés en rayonnement. Hein. Après, si vous voulez, c'est aussi conçu pour rester dans un temps très très limité. D'accord. Donc après là, votre collègue, il n'est pas équipé en bouteille, mais on peut rappeler un peu la durée du temps en oxygène quand votre collègue est équipé?
Alors, c'est pas de l'oxygène, hein, c'est de l'air, comme l'air que vous respirez actuellement. C'est ce qu'on appelle un appareil respiratoire isolant, un AIRI. Donc le collègue pourra, lorsque il sera équipé de cet AIRI, progresser en milieu vicié, donc une vingtaine de minutes maximum. Une vingtaine de minutes. Au bout de 20 minutes, la personne doit ressortir de la zone d'exploration. D'accord. Donc juste ici, on peut retrouver un véhicule qui est en entraînement, c'est ça ? Alors oui, c'est une manœuvre cet après-midi avec le fourgon Compton Secours Routier, donc le FPTSR du Mans de Grès, qui intervient pour tous les accidents de circulation, d'accord, les accidents de la voie publique. Et avec cet engin, nous allons pouvoir procéder donc au balisage, à la protection de la zone d'intervention, qui est la priorité lorsqu'on arrive sur place, et puis ensuite aborder les victimes et procéder dans les cas les plus graves à la désincarcération du véhicule, d'accord, pour extraire les victimes de ces derniers. D'accord. Alors là, je suis avec monsieur Bureau Benjamin, bonjour. Bonjour. Et donc, il va nous présenter un véhicule de secours routier, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, vous êtes face à un véhicule qui s'appelle le fourgon Compton Secours Routier, qui a deux missions principales. La mission incendie sur tout ce qui est incendie, secteur urbain, feu d'appartement, feu de maison, et ainsi de suite. Et aussi une deuxième mission qui est la mission secours routier. Donc, intervention pour tout ce qui est accident de voie publique, pour des missions d'une part de protection, de balisage, pour les victimes, les différents intervenants et bien sûr pour nous-mêmes. Et d'autre part, une mission de désincarcération de véhicules, donc de blocage, calage, stabilisation de véhicules. Et après, de venir pouvoir découper le véhicule si nécessaire, bien sûr, avec différentes méthodologies, un plan A qui est une sortie rapide et un plan B, une sortie qui est plus lente mais qui va prendre tout en compte toute la partie traumatisme de la victime. Donc comme vous pouvez le voir, donc pour la protection incendie sur les missions secours routiers, on a une partie pompe à l'arrière du véhicule équipée de cônes de Lubeck et de triangles de précipitation pour vraiment sécuriser la zone d'intervention. Ensuite, on a des groupes hydrauliques, un groupe d'éclairage parce que bien sûr on intervient la nuit, donc ça nous permet d'éclairer toute la zone d'intervention et de travailler en toute sécurité. Ensuite, on a toute une partie de matériel qui correspond au cal, donc qui nous permettent de bloquer, caler, stabiliser le véhicule de façon à intervenir en toute sécurité et de pouvoir découper le véhicule dans des conditions optimales. D'accord. Et la dernière partie, c'est vraiment, je dirais, la partie plus découpe pure, où on retrouve des outils de désincarcération, comme la cisaille, ici même. Vous avez également un écarteur, donc c'est des outils qui sont électroportatifs, très légers, très maniables, qui fonctionnent sur batterie. Donc il y a... Ah d'accord, il n'y a aucun fil. Il n'y a aucun fil, donc ce qui nous permet vraiment d'intervenir très rapidement et efficacement. Et il y a juste à... Voilà, c'est très rapide de mise en place. Ah oui, c'est impressionnant. Et là, est-ce qu'on peut parler de la force de pression sur ce matériel ? Alors, sur le service départemental d'incendie de secours de la Sarthe est équipé de deux types de matériel, donc de l'électroportatif comme celui-ci, d'accord, mais aussi les mêmes outils sur des groupes hydrauliques. Donc, on est à peu près sur une pression de travail de 700 bars. 700 bars, d'accord, on parle en bars. Oui, 700 bars, donc ce qui nous permet de découper de la voiture de monsieur tout le monde, et aussi tout ce qui est poids lourd, autocar, ainsi de suite. D'accord. On a également aussi tout ce qui est matériel dessissable qui nous permet d'avoir d'autres outils pour pallier par rapport à la conception du véhicule. D'accord. Très bien. Et en parlant du véhicule en lui-même, donc c'est un MAN, c'est bien ça ? Tout à fait. Un MAN. Donc il est en mission secours routier. Il fait un départ à 4 personnes. Donc un conducteur, un chef d'agrès et notamment deux équipiers. D'accord. D'accord, très bien. Équipé d'un treuil là-bas. Après, au niveau poste de conduite, ça reste traditionnel ? On peut aller voir le poste de conduite si vous voulez. Oui. Donc le poste de conduite, comme vous pouvez le voir, comme un véhicule classique, hein, il n'y a rien
de différents, sauf qu'on est équipé bien sûr de toute une console pour la pompe à l'arrière, de façon à aussi à pouvoir mettre tout ce qui est gyro, de ton, et aussi tout ce qui est éléments radio pour communiquer entre véhicules et notamment au niveau du CODIS, notre direction pour les retours d'informations, de demande de moyens complémentaires. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc on peut voir, oui, la partie arrière de la cabine, juste ici. D'accord, avec toujours un petit peu de matériel. Ouais. Donc du matériel, secours routier, mais également des ARI, appareils respiratoires isolants. C'est comme ce véhicule, je disais en préambule, il a deux missions, une mission secours routier, mais aussi une mission incendie. Donc on a des ARI qu'on peut mettre sur le dos, donc appareils respiratoires isolants, qui nous permet de pouvoir pénétrer dans les différentes structures enfumées, de façon à nous préserver au niveau de la toxicité des fumées. D'accord, ok, très bien. Et après, on a ensuite toute la partie incendie qui est composée de pièces de jonction, de tuyaux, de lances, de l'eau de sauvetage de protection contre les chutes, de divers matériels, pioches, balais, tronçonneuses qui peuvent être utilisés lors de nos différentes missions. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté ce véhicule. De rien, merci à vous. Alors c'est vrai que c'est important aussi de parler recrutement pour des jeunes éventuellement qui regardent la vidéo et qui seraient intéressés par le métier de sapeur-pompier. Est-ce que vous avez 2-3 anecdotes à nous donner sur comment se lancer, les différentes étapes à procéder? Alors tout à fait, hein, l'engagement c'est quand même la base de la citoyenneté et on est toujours en recherche effectivement de jeunes et de moins jeunes puisque on peut s'engager dès 16 ans. En tant que sapeur-pompier volontaire. Et puis, eh bien, il n'y a pas de limite d'âge dans l'engagement, si j'ose dire, puisque vous pouvez intégrer les sapeurs-pompiers volontaires à tout âge. Maintenant, donc, il y a les pompiers volontaires, il y a également les sapeurs-pompiers professionnels. Donc la voie d'accès, c'est le concours à différents niveaux. Donc on peut rentrer sapeur-pompier au grade de caporal en tant que professionnel, mais également au grade de lieutenant. De capitaine par des concours de permis. D'accord, c'est bon. Et également une petite question au niveau des véhicules qui sont en poids lourd, ça se passe comment en fait? C'est une formation que vous faites en interne pour passer les permis ou bien les gens se présentent avec leur permis directement? Ça se passe comment? Alors le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe ne fait pas passer de permis en interne, dans le sens où les permis sont externalisés. Ce sont des auto-écoles partenaires permettent aux agents de passer les permis de conduire. Mais ensuite, nous, en interne, on forme les sapeurs-pompiers à l'utilisation de ces engins. Un sapeur-pompier professionnel qui a le permis poids lourd, donc qui peut conduire ce type d'engin, sera ensuite formé au maniement de la pompe. D'accord. Pour pouvoir bien alimenter les engins sur un incendie. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours à vous, principalement? Oui, alors moi je suis issu du concours externe de capitaine de sapeur-pompier professionnel que j'ai obtenu en 2015, affecté sur la caserne du Mont Degré depuis le 1er novembre 2015 en tant qu'adjoint au chef du CSP. Donc j'ai en termes de diplôme un master 2 en droit public et je me suis orienté vers la carrière de sapeur-pompier parce que j'ai été jeune sapeur-pompier, puis ensuite pompier volontaire. Et j'ai passé le concours de capitaine de sapeur-pompier professionnel par la suite. D'accord, donc c'est ancré dès l'enfance, c'était vraiment l'objectif Oui, tout à fait, parce que je suis issu d'une famille de pompiers. Et donc ça m'a semblé logique, c'est une vocation d'être sapeur-pompier volontaire puis professionnel aujourd'hui. D'accord. Bah, c'est vraiment un beau métier, en tout cas félicitations d'avoir réussi à réaliser les rêves d'enfant, quoi. C'est vraiment. Merci, c'est vrai que effectivement la profession fait rêver, et tant mieux parce qu'on jouit encore d'une cote de popularité importante au sein de la société et c'est très important justement de vous ouvrir les portes pour vous montrer notre univers et puis aussi et bien appeler toutes celles et ceux qui le souhaitent à venir se renseigner pour intégrer notre belle famille qui est les sapeurs-pompiers, soit en tant que pompier volontaire ou en tant que pompier professionnel. Ok, bah, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous.